Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter six applications qui vont te permettre de gagner de l'argent finalement en faisant pas grand chose, en restant chez soi ou presque. Tu vas voir que ces six applications, sont des applications que peut-être que tu connais déjà pour certaines. Ce sont des applications qui vont te rémunérer tout simplement et qui vont te rémunérer tout simplement à participer à différentes choses, à différentes activités. Mais tu vas voir que c'est des applications que tu vas pouvoir télécharger dès maintenant chez toi. Et ce sont des applications qui vont te permettre de gagner de l'argent et certaines même peuvent te permettre d'aller chercher pratiquement 500 euros tous les mois. Donc c'est quand même pas rien. Et l'idée de cette vidéo, c'est de te présenter tout ça bien évidemment. Petit teasing, tu vas voir qu'il y a une application que peut-être tu utilises déjà et qui pour le coup nécessite aucun effort de ta part, enfin du moins aucun effort volontaire de ta part. Tu vas voir, te découvrir ça dans quelques instants, mais juste avant je te balance le générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton « s'abonner » tout en bas de cette vidéo. Tu activeras la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, tout ce qui est autour de la bourse aussi. Et puis tout ce qui est lié autour de la sous-location et de la conciergerie d'appartement. Tu le sais, c'est deux business que je réalise actuellement. D'ailleurs, si toi aussi tu veux réaliser ces business, je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides, deux méthodes, deux techniques que tu découvres dans la partie description. Récupère ces deux formations et tu vas voir que ça peut radicalement changer ta vie. Donc aujourd'hui, on va découvrir six applications que je t'ai sélectionné, qui pour moi sont six applications. Alors ça n'engage que moi, ce n'est pas une recommandation particulière. Après, à toi de faire aussi ton propre avis. Je vais juste te les présenter, bien évidemment. Je ne les connais pas toutes précisément, je ne les ai pas toutes utilisées. Il y en a certaines que j'ai téléchargées, que j'ai mis en application pour voir un petit peu. Ça a l'air sérieux, ça a l'air plutôt correct, mais voilà, ça reste à toi aussi de vérifier un petit peu tout ça et de regarder un petit peu si tout fonctionne bien par rapport à ton pays, notamment en France, parce que ce sont des applications généralement qui sont présentes dans le monde entier. Donc pour certaines, elles sont beaucoup plus développées, par exemple aux États-Unis, et pour la France, peut-être un petit peu moins. Mais franchement, il y a vraiment moyen, à mon sens, de gagner de l'argent avec ce type d'application. Et tu vas voir, ça n'a pas nécessité un gros effort de ta part. Et je trouve ça plutôt ludique et plutôt marrant. On va commencer par la première qui s'appelle Toluna. Donc Toluna, c'est quoi? C'est une application qui va te permettre de répondre à des sondages tout simplement qui vont être proposés. Donc ils travaillent avec des entreprises très connues comme Amazon, Coca-Cola, j'ai vu qu'il y avait aussi Kellogg's, etc. Enfin, pas mal de grosses entreprises. Et l'idée, si tu veux, c'est que tu participes à des sondages qu'on va te proposer. Et du coup, ces sondages-là, ce que tu vas répondre, les différents avis que tu vas pouvoir laisser sur telle ou telle chose, vont être des avis qui vont être réutilisés derrière. Donc c'est un système de sondage tout simplement. Tu réponds à des sondages que tu reçois régulièrement et tu es rémunéré à hauteur donc de 1000 points par sondage. Et quand tu as atteint 4000 points, tu obtiens tout simplement 1 euro. Donc comment ça se passe? Au bout d'un moment, ils vont te donner, tu as la possibilité d'avoir des bons cadeaux, des bons d'achat sur Amazon par exemple. Tu as plein d'autres aussi sur plein d'autres types de sociétés. Tu peux aussi avoir des cartes Mastercard préchargées avec 10 euros, 25 euros, 50 euros. En gros, tu es récompensé et tu as des cagnottes qui se débloquent en fonction des différents sondages que tu as pu répondre sur ce type d'application. Donc l'application, je te la rappelle, s'appelle Toluna et cette application va te permettre de répondre à différents sondages de différentes grosses entreprises assez connues. Je crois qu'il y a aussi Kellogg's, il y a pas mal de sociétés qui sont présentes sur ce type d'application, donc Toluna. Alors dans le même principe, le même type finalement d'application, mais cette fois-ci donc chez une société, une application différente. Alors tu la connais forcément puisque c'est Ipsos, donc qui est quand même relativement connu. Ils ont une application qui s'appelle Issei, et cette application
application, si tu la télécharges, pareil, va te permettre de répondre à différents sondages et tu vas être bien évidemment rémunéré à chaque fois que tu vas répondre à des sondages qui vont être proposés sur cette application. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas toucher donc des points. 100 points va te permettre de cumuler, d'après ce que j'ai pu comprendre, 1 euro. Et à l'issue de ça, tu pourras ensuite récupérer, là, non pas cet argent-là sous forme donc de versement, mais sous forme de cartes cadeaux, hein, des cartes Amazon par exemple, ou des cartes PayPal, donc des cartes préchargées qui vont te permettre tout simplement de réutiliser, de dépenser l'argent que tu as pu collecter via cette application. Donc deuxième application, eSay, donc de chez Ipsos, donc une application pareille que je t'invite à récupérer et qui va te permettre de répondre à différents sondages qui vont être proposés régulièrement. Alors, troisième application que je vais te recommander, ça va être Be My Eye. Attention, ne pas confondre avec Be My Eyes, hein, donc avec un S à la fin. De toute façon, je te mettrai le lien, bien évidemment. Be My Eye, qui est donc une application donc en français, hein, donc tu vas pouvoir découvrir ça. Et ce qui est top avec cette application, c'est que tu vas tout simplement participer à des missions. Donc, les missions sont différentes, elles sont très variées. Tu vas trouver des missions, notamment, où on va te demander d'aller, donc, notamment, l'application va vérifier ta géolocalisation et va te proposer des entreprises où on va te demander de te rendre directement dans le shop et tout simement de prendre des photos. Faut prendre des photos des rayons par exemple, ou ça va aussi te faire passer pour un client mystère. Donc on va te dire tu vas aller dans tel magasin et tu vas te faire passer par un client mystère. Tu vas poser des questions au personnel. Donc on va aussi te proposer faire ce qu'ils appellent du self scanner, donc photographier des rayons de toute une catégorie par exemple, hein, avec un procédé particulier qu'on va te livrer. On va aussi te proposer, par exemple, de parcourir des rues, hein, donc ce qu'ils appellent le outdoor, parcourir les rues et photographier des éléments extérieurs tels que des panneaux d'affichage ou des devantures de magasins. Et puis aussi, tu vas voir que à la maison même, hein, puisque dites-nous ce que vous pensez d'une marque, ce que vous regardez à la télévision, etc. Donc une application qui, en fait, se présente sous forme de mission. Donc tu sélectionnes tes missions et tu peux gagner entre 3 et 15 euros par mission. Et ces missions vont te permettre, tout simplement, de réaliser telle ou telle action par rapport à telle ou telle entreprise qui a missionné cette application. Donc comme je te le disais, ça peut être aller dans le magasin, prendre des photos, aller voir peut-être le personnel, leur poser des questions, te faire passer pour un client mystère, prendre des photos par exemple de panneaux publicitaires liés à la marque. Enfin voilà, tu as différents types de missions qui sont proposées sur l'application, et en fonction des missions que tu vas récupérer, tu vas toucher des sommes d'argent. Une fois que la mission est terminée, tu la valides et du coup tu recevras un versement. Donc d'après ce que j'ai compris, tu vas toucher entre 3 et 15 euros par mission. Donc ça, c'est pareil, c'est une application que tu peux télécharger dès maintenant sur ton téléphone et qui peut te permettre de gagner de l'argent assez facilement. Alors, comme j'ai pu le dire un petit peu en teasing, une application que tu utilises peut-être déjà et qui, pour le coup, va nécessiter aucun effort, supplémentaire de ta part, c'est l'application WeWard. Je ne sais pas si tu connais cette application. C'est une application où, en gros, tu es rémunéré à chaque fois que tu marches. Et oui, c'est juste incroyable, mais à chaque fois que tu fais des pas, tout simplement, cette application va te rémunérer. Donc, la rémunération est aux alentours pour 10 000 pas, de 20 centimes. Chaque jour, tu devras valider les différents pas que tu as réalisés dans ta ville. Et en plus de ça, cette application va te donner des suggestions éventuellement de parcs ou de différents restaurants que tu pourrais découvrir. Et puis l'application est aussi partenaire de d'autres marques, et en fonction par exemple si tu réalises tel ou tel achat dans une telle ou telle marque, ça va venir incrémenter ton compteur de pas, et donc ces pas là que tu as réalisé te permettent de gagner de l'argent. Alors certes c'est très peu, hein, bien évidemment, mais moi je sais que typiquement mes enfants, c'est une application qu'ils utilisent, que j'ai aussi téléchargée. Et du coup, mine de rien, juste le simple fait de marcher te fait te rapporter de l'argent, ce qui est très peu, bien évidemment. Mais bon, mine de rien, c'est juste une application à télécharger. Et aujourd'hui, qui peut te permettre de gagner de l'argent comme ça assez facilement? Donc, l'application WeWard, je t'invite à la découvrir. En plus, l'application est plutôt bien faite, c'est très ludique, c'est plutôt graphique, c'est plutôt sympa. Et comme je te le disais, en plus, tu as des suggestions de parcs à découvrir proches du lieu où tu es, ou par exemple des restaurants proches du lieu où tu es. Ça peut être aussi donc différentes marques qui vont te dire par exemple si tu achètes tel ou tel produit, on va vous créditer de telle ou telle chose. Et puis tu peux aussi avoir des bonus, des petits cadeaux qui vont tomber en fonction de si tu débloques certains niveaux. Donc l'application s'appelle WeWard.
Une autre application, et celle-ci, je l'aime particulièrement, c'est l'application FOAP, F-O-A-P. Et donc, cette application, eh bien là, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, tu vas pareil, tu vas récupérer des missions. On va te proposer donc de tout simplement de réaliser des missions. Et si tu veux, ces missions, c'est quoi? C'est tout simplement des entreprises qui vont te demander, eh bien, de réaliser telle ou telle mission pour l'entreprise en question. Tu peux gagner jusqu'à 500 euros par mois, par mission, donc ce qui est quand même pas rien. Et l'idée, si tu veux, c'est que tu vas livrer tout simplement des vidéos et des photos que tu vas réaliser par rapport à la marque. Donc, par exemple, la marque peut très bien te dire, nous, on a besoin que vous achetiez, par exemple, ou si vous avez déjà le produit, eh bien, que vous le déballez tout simplement, vous déballez le produit, vous le mettez en valeur, vous le mettez sur vous prenez des photos avec le produit, ou alors ça peut être le produit mis dans des situations bien particulières. Donc tu as un genre de cahier des charges qui est mis sur la plateforme, sur l'application, et qui te demande tout simplement de simuler par exemple soit une commande en ligne, ou tout simplement si tu as déjà le produit ou si tu as prévu de l'acheter, eh bien de tout photographier, de tout mettre en vidéo, donc avec un cahier des charges bien précis, et tout ça est rémunéré et récompensé jusqu'à 500, alors c'est dollars je crois, mais c'est quand même pas rien. Et je vois par exemple, j'ai regardé, il y a des missions, par exemple on te demande de commander une pizza et donc de tout faire en fait, hein, entre le moment où tu commandes ta pizza, le moment où tu la dégustes, le moment où tu l'ouvres, le temps que ça a pris, etc., etc. Donc il y a vraiment tout type d'entreprises qui sont possibles, c'est des missions donc que tu peux prendre, donc le premier arrivé, premier servi, et c'est différentes marques qui te proposent de participer, et tout simplement en échange des photos et des vidéos que tu vas réaliser par rapport à la marque, eh bien tu vas tout simplement être récompensé. Donc ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes sous forme de mission. Donc FOAP, F-O-A-P, je te mettrai le lien de toute façon dans la partie description, et c'est des missions qui peuvent te rapporter quand même, à mon sens, pas mal d'argent. On arrive à la dernière application qui s'appelle cette fois-ci donc HappyScribe. Donc HappyScribe transcripteur, c'est-à-dire que tu vas en gros être un, tu vas finalement être un transcripteur de fichiers audio en fichiers texte. C'est-à-dire qu'en gros tu vas participer sur une application, donc pareil, je te mettrai le lien, HappyScribe. Si tu veux, cette application, eh bien, des personnes vont tout simplement uploader, par exemple, des fichiers vidéo, hein, et vont demander à ce que des transcripteurs, eh bien, tout simplement, transcrivent le fichier vidéo au format texte, donc dans différentes langues, hein, bien entendu. Donc, il y a le français qui est disponible, bien évidemment. Et ils peuvent te demander aussi de faire du sous-titrage en fonction de la vidéo. Donc, c'est des missions, pareil, qui sont, du coup, récompensées. Donc en règle générale, je crois que c'est 1,30€ en moyenne la minute. Tu peux en moyenne faire, d'après ce qu'ils indiquent, en moyenne par mois, tu peux aller chercher jusqu'à 450€ de revenus grâce à ça. Donc après, dans le détail, bien entendu, j'ai pas bien entendu le détail. Et tu peux gagner jusqu'à 3 000€ par mois avec cette application, tout simplement en faisant le transcripteur de fichiers audio en fichiers texte, ou tout simplement en faisant du sous-titrage par rapport à ces différentes vidéos. Donc cette application s'appelle HappyScribe transcripteur. Je te mettrai bien évidemment le lien dans la partie description. Mais voilà du coup pour cette 6e application. Voilà les amis, eh bien on a terminé pour cette vidéo. Donc 6 applications que tu peux télécharger très facilement sur ton téléphone, qui fonctionnent. J'en ai testé pour certaines, c'est très facile, très ludique, et pour le coup ça nécessite pas une grosse charge de travail. Alors bien évidemment, plus on va te demander des choses importantes, plus derrière la commission peut vraiment être intéressante. Mais tu vois bien que ne serait-ce que l'application où on demande juste de marcher, quand tu marches, tu gagnes de l'argent, c'est juste incroyable, et c'est pourtant bien présent. Alors il y a des versions concurrentes, hein, il y a des modèles concurrents qui existent, mais celle-ci, à mon sens, me paraît la plus adaptée. T'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire, eh bien, si tu connais d'autres applications comme celle-ci, qui te permettent très facilement d'empocher de l'argent. Tu mettras ça dans la partie commentaire. T'hésiteras pas à me dire aussi si tu utilises déjà certaines de ces applications pour toi aussi te générer des petits revenus tous les mois complémentaires. C'est toujours ça de prix, ça nécessite pas une grosse charge de travail. Alors c'est vrai que c'est surtout les jeunes qui utilisent plutôt ces applications, mais voilà, aujourd'hui c'est quand même des moyens de gagner de l'argent très facilement de chez soi, sans nécessiter quoi que ce soit, juste un simple téléphone connecté, et du coup c'est parti, t'installes les applications et c'est parti, tu peux déjà commencer à gagner quelques euros tous les jours. Donc ça c'est plutôt top. T'hésiteras pas à me lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu. Moi ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve maintenant sur une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt, et même à tout de suite pour une prochaine vidéo.